La mer de Chine méridionale est une gorge profonde et inexplorée. De nombreux navires ont disparu à cet endroit, et les raisons de leur disparition sont encore inconnues. C'est là que John Finnegan se rend à bord de son yacht. Il est accompagné de Leila et Joy Pantuxi, membres de son équipage. Sur le yacht se trouvent également plusieurs hommes armés dirigés par un certain Hanové. Ce sont eux qui ont payé Finnegan pour qu'il les emmène à certaines coordonnées et les ramène ensuite. Mais le temps en mer commence à se dégrader. Pendant ce temps, le bateau de croisière le plus cher et le plus luxueux du monde, l'Organaftica, se trouve en mer de Chine méridionale. Il a été construit avec l'argent du milliardaire Simon Canton. Il a dépensé une fortune pour la construction du paquebot. Il n'y avait pas que des hommes d'affaires sur le paquebot, mais aussi une escroc du nom de Trian Saint-James. Elle a acheté un billet sur le paquebot dans le seul but de voler les bijoux et l'argent de la chambre forte. Lorsqu'elle aperçoit le capitaine, elle met son plan à exécution. Elle réussit à voler son portefeuille et à s'emparer de la carte d'accès à la chambre forte. Elle se rend ensuite dans la chambre forte, mais elle est prise en flagrant délit. Elle est enfermée dans le rayon épicerie. Pantuxi décide alors de vérifier ce qu'il transporte dans ses caisses. Il s'est avéré qu'il s'agissait de torpilles. Viv n'a pas apprécié et l'a attrapé. Il voulait le battre, mais Finnegan est intervenu. Pendant ce temps, un intrus inconnu avait manipulé les cadrans de contrôle du paquebot et l'avait forcé à s'arrêter. Et quand il s'est arrêté, quelque chose d'énorme a surgi des profondeurs. Les passagers paniquent et tentent de s'échapper, mais il n'y a nulle part où aller. Une jeune fille s'est enfermée dans les toilettes, mais quelque chose de fort l'a attrapée et l'a tuée. Un bateau tombé du navire de croisière après la collision a été emporté loin du navire, et Finnegan s'y est heurté, transperçant le côté de son bateau. Des réparations urgentes sont nécessaires, mais il est impossible de redonner vie au moteur. Pantuxi repère un paquebot au loin et propose de s'y rendre. Il y aurait assez de carburant pour s'en approcher. Hanové ne s'y oppose pas, car il a l'intention de dévaliser ce navire et de le couler. L'équipage de Hanové ouvre une trappe sur le côté du paquebot. Leur complice, qui avait téléchargé un logiciel pirate dans l'ordinateur du navire, leur a donné l'accès nécessaire. Finnegan et Pantuxi sont capturés par Hanové. Ils laissent Leila et Billy sur le navire pour combler le vide. Cependant, contrairement à ce que l'on pensait, il n'y avait personne sur le bateau de croisière. C'est comme si tous les passagers avaient disparu d'un seul coup, laissant derrière eux un désordre et des mares de sang. Triliana réussit à sortir du compartiment et Leila s'attela aux réparations. Mais à ce moment-là, une créature est apparue, a attrapé la jeune fille et l'a entraînée dans les profondeurs. Le monstre marin se débarrassa ensuite de Billy. Entre-temps, Thierry et Mamuli avaient escorté Finnegan et Pantuxi jusqu'à la salle des machines, où ils pouvaient se procurer des pièces de rechange pour leur bateau. Pendant qu'ils étaient occupés, Thierry entendit un bruit étranger et alla voir ce qu'il en était. Mais à ce moment-là, une horrible créature bondit hors de l'eau et l'avale. À ce moment-là, Trian se rendit à nouveau au coffre-fort, mais elle fut interrompue par Hanové. Il est apparu soudainement et a pris la clé. Mais lorsque Viv a ouvert la porte du coffre, Canton était là. Par peur, il a frappé Viv à la tête avec une hache. Canton s'était enfermé dans la chambre forte avec le capitaine, et quand la porte s'est ouverte, il s'attendait à voir le monstre qui avait tué tous les passagers, alors il a frappé sans regarder. Pendant que Hanové et Canton se disputaient, Trian s'est échappé. La momie est allée chercher des renforts, mais elle a été attrapée par la créature. Réalisant que monter sur le bateau de croisière n'était pas la meilleure idée, Finnegan et Pantuxi décidèrent de s'échapper. Ils montent dans l'ascenseur où se trouve Trian et la jeune fille lui donne un coup de talon au visage. Elle a tenté de s'enfuir, mais ses amis l'ont arrêtée en disant qu'il y avait un monstre à l'extérieur. À l'étage suivant, des voyous sont entrés dans l'ascenseur. Ils ont emmené Canton et le capitaine avec eux. Le monstre s'est jeté sur l'ascenseur et a sectionné les câbles. Malgré la chute, les hommes sont indemnes, les freins d'urgence fonctionnent. De cette pièce, l'équipe de Hanovra, Finnegan et Pantuxi sort dans le couloir, mais le monstre les attend derrière la porte suivante. Il est si fort qu'il écrase facilement les parois métalliques. Ils ont dû s'enfuir à nouveau et se cacher dans la salle de ravitaillement. Puis le capitaine a dit qu'il n'avait pas le temps de lancer un appel de détresse. Et il était impossible de le faire maintenant, car quelqu'un avait éteint tous les instruments du paquebot. Finnegan, lui, a déjà compris qu'il s'agissait de Canton. Il avoue avoir investi toute sa fortune dans la construction du paquebot, mais l'investissement n'a pas été rentabilisé.
Les coûts d'entretien sont trop élevés et les revenus des croisières ne couvrent pas tous les frais. Canton décide donc de détruire le paquebot avec l'aide de Hanovre. Le navire est assuré et Canton recevra plusieurs millions de dollars en cas de destruction. En entendant cela, le capitaine s'en prend au milliardaire. Leur combat est interrompu par l'apparition d'un des monstres. Finnegan tente de sauver le capitaine, mais il ne survit pas. C'est alors que le reste de l'équipage s'approche pour tirer sur le monstre. Canton a compris que ces créatures venaient des profondeurs où la lumière ne pénètre pas. Elles ont aspiré tous les fluides du corps et ont ensuite jeté les restes sur le navire. Il décide de ne pas attendre les secours, de réparer le bateau et de partir. Canton connaissait le chemin le plus court vers le bateau de Finnegan, mais ils étaient bloqués par un couloir inondé. John dut se baisser et nager jusqu'à l'autre côté pour reconnaître le chemin. Lorsqu'un autre monstre apparaît, ils décident de ne pas attendre le signal de Finnegan et se jettent à l'eau. Ils n'ont pas tous nagé jusqu'à l'autre bout du couloir. Mason a été capturé par le monstre et a essayé de le manger, mais le monstre a utilisé des explosifs pour l'achever. Les survivants se sont divisés en deux camps. Une partie, menée par Canton, veut rester sur le paquebot et attendre les secours. Les autres, dont Finnegan, sont déterminés à sortir au plus vite. Finnegan réussit à convaincre les autres que le navire est en train de couler et qu'ils ne resteront pas longtemps ici. Les autres coururent vers l'endroit indiqué par Canton. Canton lui-même se laissa distancer et partit dans l'autre sens. L'équipe se retrouve dans le repère du monstre, où gisent des centaines de cadavres humains mutilés. Réalisant qu'ils pourraient être les prochaines victimes, ils se précipitent pour s'échapper. Le monstre les poursuit à leur trousse et, pour le distraire, Hanovre tire une balle dans la jambe de Pontuxi. Mais celui-ci réussit à quitter le couloir et à s'enfuir. Le monstre saisit Hanovre et tente de le tuer, mais le méchant est encore en vie, il regarde Pontuxi et lui demande une arme pour mettre fin à ses souffrances. Pontuxi lui donne l'arme, mais le regrette un instant plus tard, car Hanovre a essayé de le tuer. Finnegan et Trill descendirent au navire pour y régler le pilote automatique. Ils prévoyaient de détruire le monstre marin avec des torpilles. Cependant, sans les pièces de rechange qu'il avait perdues quelque part sur le navire, il était impossible de réparer le vaisseau. Alors, pendant que Finnegan vaquait à ses occupations, Pontuxi est venu à son secours et l'a aidé à régler le pilote automatique. Pendant ce temps, Trill cherche les clés du jet ski. Canton l'a rencontré et a exigé qu'elle lui donne les clés. Alors que Canton l'accule, Finnegan apparaît et ouvre le feu sur lui. Le milliardaire s'enfuit sur le bateau de John, et Finnegan et Trillian affrontèrent le dernier monstre. Ce monstre était plus grand que les autres et il était impossible de le tuer avec une mitrailleuse. Finnegan et Trillian ont donc enfourché le jet ski et se sont enfuis à la nage. C'est alors que Canton, blessé, a mis à l'eau le bateau de Finnegan, sans se douter qu'il nagerait en direction de son paquebot en pilotage automatique. Lorsque les deux navires entrent en collision, les torpilles explosent, faisant sauter le paquebot avec le monstre à l'intérieur. John et Trill ont réussi à sauter à temps. Au matin, ils ont atteint l'île la plus proche, et c'est là que Finnegan s'est rendu compte que le jet ski était cassé. Il serait très difficile de le réparer sans Pontuxi. Mais Trillian n'est pas bouleversée. Au lieu de s'affliger, elle a embrassé John. C'est à ce moment-là que Pontuxi est apparu en mer. Il a survécu et a réussi à atteindre l'île. Alors que les amis se retrouvaient et réalisaient qu'ils étaient désormais sauvés, un bruit se fit entendre dans les profondeurs de l'île. C'est le grognement d'une créature plus terrifiante que celle qui les avait attaqués sur le paquebot. Si vous voulez voir d'autres vidéos comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like sur la chaîne. À bientôt.